rebonjour parce que j'ai eu l'occasion de passer vous rencontrer il y a à peu près plus d'un an avant mon départ pour la, justement pour mon projet de course à pied à travers la France. Invité déjà par Noéline. Noéline à qui je vois beaucoup, puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans mes projets, dans ma course, du moins dans celle-ci. Mais ça en a fédéré beaucoup de gens, beaucoup de personnes. C'est une course d'équipe, hein, un travail d'équipe. C'est l'organisation, c'est une année et demie de travail. On retrouve dans les valeurs du sport, et aussi dans le monde de l'entreprise, c'est de pouvoir créer et faire avancer les choses. Alors, si vous êtes d'accord, je vous laisse regarder le film. Ok, bon, j'espère pouvoir rendre ce qu'on m'a donné. Pistache, mon chéri, s'il te plaît. Maison, à bientôt. À dans 3 mois et demi. Istanbul, j'ai fait Los Angeles, New York en 2011 et... Ah, moi j'ai une question déjà, c'est comment on peut se... enfin, voir votre film complet Comment on peut l'avoir, c'est oui, ça enfin, J'en ai là. D'accord, ok, non, mais voilà, voilà, ça vient pour... Ok, est-ce que quelqu'un a une question? Déjà, on a entendu la réponse. Il faudra aller voir Patrick après, il a des films. Bah déjà, bravo, ça va. Moi j'ai une question, physiquement, musculairement, ça se gère comment? On vous voit courir de jour, de nuit, ça se gère comment tout ça? Il y a un kiné, il y a ce genre de choses. Alors, j'ai une deuxième question, excusez-moi, ouais. J'ai une deuxième question pour Nourdine. Qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait de suivre Patrick Malandin? C'est une démarche professionnelle, c'est une démarche personnelle, une démarche humaine? Qu'est-ce qui t'a intéressé à ça, à ce projet? Je vois, je cours pas très vite. Mon problème, à vrai dire, c'est pas en soi la distance, bien qu'il faut la courir. Il y a eu des doutes sur la poursuite parce que physiquement c'était dur au début. Voilà. Mais voilà, tout, beaucoup de choses se passent dans la tête et puis finalement, voilà, avec le temps et puis avec la coupe du monde, le corps s'adapte comme tu dis. Mais au début, il est marqué au visage. C'est quand même 12-14 heures par jour dehors. Sur le parcours, on établit comment le parcours? On tient compte des dénivelés? On parlait de franchissement d'Alpes, par exemple, de Pyrénées. Est-ce que des franchissements de col, ce genre de choses? Ou est-ce que, voilà, il faut aussi, vu que c'est une longue distance, il faut aussi faire le... calculer, enfin, doser, ouais, doser un peu. Tout à fait. Il marchait péniblement, il était fatigué. Je me suis dit, c'était même pas le premier tiers du parcours. Je me suis dit, il va jamais y arriver. Je l'ai vu, j'ai eu peur. Quand j'ai vu ton visage, j'ai eu peur, c'est ça. Et il marchait, ah ouais, vraiment. Et puis il est descendu péniblement du camping-car.